Yo les gens, c'est Leonard, on est de retour sur God of War, que dis-je, sur God of War. Je viens de tourner, je ne sais pas combien d'épisodes d'affilée, on est à peu près à 8 heures de jeu. 8 heures de jeu. Et je continue, donc installez-vous, hein, prenez les pop-cords et on y va. Dans le vide depuis une branche de l'arbre mou. Chaque chose en son temps. Vraiment. On doit aller où en fait? C'est pas Jotunheim qu'on veut aller? GG Baleno. Du coup, je sais plus. Obligé de regarder. 62. Qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? Allez, du balai! Oula. Hésité. Si tu comptes nous précipiter dans le vide, j'espère que tu sais ce que tu fais. C'était pas ton... Oula, qu'est-ce qui s'est passé? L'idée de trouver notre propre voie. Oh putain. Merde. J'ai flippé. J'ai cru que le jeu avait planté. C'est là que Tyr a franchi le pas et que la pierre d'unité l'a protégé. Prêt? Prêt. Eh bien, nous y voilà. Bon, bah après, hein. Ce fut un honneur. Aie confiance, tête. Ouais, tête, aie confiance. C'est incroyable. Hi-ha. On s'est dit qu'il y aurait un pont. Je peux avoir la nausée alors que je n'ai pas l'estomac. Tu rigoles, c'était génial. Regarde. La tour. Je savais bien qu'il y avait quelque chose ici. Incroyable. Comment cache-t-on une chose qui existe dans tous les royaumes? En la déplaçant dans le monde qui sépare les royaumes. Tyr était malin. Est-ce que Jotunheim est de l'autre côté? Ça ne peut pas être ça. On ne peut pas passer par Vanaheim pour atteindre le pic de Midgard. Alors comment on l'utilise? Je suggère de regarder à l'intérieur, mais restez prudent. Les défis de Tyr ne sont jamais aussi simples qu'il y paraît. J'avais remarqué. C'est très... dépouillé. Le piédestal. Oh, ça sent le boss. Ouais, ça sent le boss. L'énergie de la pierre. Il se passe quelque chose. Elle bouge. Elle bouge. Elle sait quoi faire. La pierre a rempli son rôle. On réalise le sort de Tyr. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Aucune idée. Mais après cette chute, le pire doit être derrière nous. On fait des gaufres au sucre. Oh, 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 oh. Je retire ce que je viens de dire.
c'est quoi tous ces nains de jardin là? Un peu toi. Super. Ah mais ils sont deux. Oh, super! Je crois qu'ils sont même trois. Mais sérieux quoi. Ah les gars quoi. Oh putain, puis tu reprends au zéro quoi. Attention, père!
côté droit, frère. Des plaies, hein. Pourquoi ils crèvent pas, il leur reste un millimètre de vie, quoi. Ils sont sérieux, putain. Putain, je vois rien. Il me fait gang bang, je vois absolument rien. Plus que deux.
C'est pas dû à l'aveuglage parce que pendant le combat il y a plein de moments où je vois plus rien non plus. Ben non, c'est les. C'est eux qui t'aveuglent. T'as pas vu l'icône en bas à gauche à côté de ma vie, un œil qui tourne? C'est eux qui t'aveuglent, tu vois plus rien. Non, quand je dis que les combats ils sont chauds patates, ils sont chauds patates hein. Là par exemple, là je vois pas où ils sont là. Et ils me tabassent. Ah!
Oh putain. Oh non, on est revenu à elle. Oh non, ils arrivent. Concentre-toi. On va très bien. Je vois pas ce qu'il y a de bas là, battre contre des trolls et des... Go!
Encore un nouveau coup, Baleine. Je crois que c'est fini. D'accord, mais où sommes-nous? Je sais pas. Regarde, on est de retour à Midgard. Voilà le pont. On a réussi. La tour est de nouveau à sa place. La salle de passage de tir peut maintenant nous mener à Jotunheim. Comment Tyr a fait ça? Odin soupçonnait les géants de posséder des restes de l'essence primordiale des Jotnar. C'est la source de la création de tous les royaumes. La pierre d'unité a dû être façonnée à partir de cette essence. Pour qu'il la confie à un étranger, même à Tyr, il fallait vraiment qu'il soit désespéré. Et regarde, on peut enfin allumer tous les brasiers et voir ce qui arrive. Allez, fin de cet épisode. Je sais pas combien de temps il a duré du coup, mais je pense qu'on a eu assez de combats pour cet épisode là. Putain, j'ai mal aux mains en fait. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas le pouce, le like, le machin, le partage, etc. etc. avec le serpent pénis de vieux hein, qui nous regarde. Nous, on va s'arrêter là-dessus. Et à la prochaine, hein, du coup, en VOD. Ciao, ciao!